Rebonjour, donc maintenant nous nous trouvons dans la pièce réservée aux catégories B, en arme de poing ou en arme longue, neuve ou d'occasion. Avec tout d'abord des optiques, des lunettes, des points rouges, des lasers adaptables sur des armes de poing ou des armes longues. Sightmark, M-Point, EOTech, Holosun, Docteur, des visions nocturnes, un peu de tout. Ensuite, les armes, des revolvers 357, 38 spécial, 45 Colt, de la marque Manurin, Smith & Wesson, Taurus, Huberti, Alpha Proge. Ensuite, deux colonnes de pistolets revolver en 40 Smith & Wesson, 44 Remington Magnum et surtout 45 Auto. Des répliques de 1911 de chez Colt, de chez Smith & Wesson, de chez Remington, Taurus. Les 9 mm de chez Beretta, de chez SIGSOHR. Une bonne gamme de la marque Canic et de CZ bien sûr, en polymère ou en acier, fileté, pas fileté, au choix. La gamme de chez Glock en 9 mm est maintenant en 22 longs rifles, avec pas mal de pièces pour pouvoir les customiser, au niveau des départs de détente, au niveau des organes de visée, il y a un peu de tout. Des armes de poing en 22 longs rifles, en revolver ou en PA. Ruger, ISSC, Walther, CZ, Pardini. La gamme des Browning Buckmark. Des armes longues en 22 longs rifles, avec des répliques d'AK-47. De 223 et 308 Twin, des fusils à pompe aussi, calibre 12, catégorie B toujours, des armes longues à 9 mm. Nous attendons prochainement le CZ, le Scorpion, qui devrait plus tarder, mais aussi le HK MP5. Il y aura 20 pièces en France, ce sera un produit à ne pas rater. On devrait l'avoir d'ici la fin de l'année. La vitrine avec nos plus belles pièces, le SIGSOHR P210 Legend, le Beretta Fusion en édition limitée, le CZ Shadow 2, un Performance Center 1911 de chez Smith & Wesson, des Desert Eagle en 50 AE, noir ou or tigré. Des revolvers, toujours de la gamme Performance Center de chez Smith & Wesson, en 357. Mais aussi le 500 Smith & Wesson Magnum. Pour les amateurs de sensations fortes, je joindrai à cette vidéo quelques photos du rayon de rechargement pour que vous puissiez voir ce que nous proposons.